Donc j'ai choisi une photo que Alfred Stieglitz a prise de Georgia O'Keeffe en 1931. Et c'est une photo de ses mains où elle tient un crâne de cheval, qui est une de ses grandes sources d'inspiration. J'ai choisi cette photo parce que je trouvais que c'était un très bel exemple de collaboration entre un homme et une femme et deux artistes. C'est Stieglitz qui a vraiment aidé à lancer la carrière de Georgia O'Keeffe. Et en même temps, c'était sa muse. Et du coup, il y avait vraiment un échange très égalitaire entre les deux personnes. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut espérer pour le monde de l'art, pour les femmes et pour le monde en général.